Yo tout le monde, c'est pas la rue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour mon opening anniversaire, mais vraiment en avance de chez en avant, donc c'est dans un mois. Sauf que bah, j'ai décidé de l'annuler parce que le mois de décembre, je ne serai pas beaucoup dispo sur le jeu. Et donc, bah, je trouve que ça sert à rien de stocker tout ça jusqu'au 28 décembre, enfin, le jour de mon anniversaire, sachant que bah, je ne vais pas pouvoir augmenter tout ça. Voilà. Sachant aussi que ben voilà, je vais pas pouvoir jouer, donc je vais juste avoir ce stock-là, enfin, avec un peu plus de trucs parce que je suis en guerre d'alliance, etc. Voilà. Sauf que bah à part les alliances, enfin, à part les guerres d'alliance, etc. Enfin, la fin de la saison, la fin de la saison 22, je crois, ou 21, je sais plus dans quelle saison on est. Bah, j'aurais pas d'autres récompenses parce que la queue chevalier, je sais pas si j'aurai assez de temps pour la faire. Je pense que j'aurai le temps en vrai, mais ça va passer trop juste, je pense. À côté de ça, bah, la side quest aussi, je sais pas ça va être quoi la side quest du mois prochain, hein, me demandez pas des infos, bah, je sais pas c'est quoi, ce sera composé de quoi. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire mon opening anniversaire un mois en avance, donc voilà. Donc ça, je vous l'avais annoncé dans un épisode de Crystal Opening, je sais plus c'est lequel, je me souviens plus c'est quel épisode, mais bon. Donc, on va voir ce petit stock de cristaux-là, sachant que j'ai ouvert quelques cristaux, voilà, parce que des fois, je me disais, ouais, j'ai résisté à la tentation, mais au final, j'avais pas résisté à la tentation, donc j'avais ouvert quelques petits cristaux. Donc, en un premier cristal, j'avais eu Spider-Man, Miles Morales, et bah, le deuxième cristal, c'est un éveil de cas. Donc, ça, c'était... Non, c'est l'éveil de Mysterio dans un casque aussi. Voilà, l'éveil de Cap, c'était dans un cristal double mutant et virtuose. Et puis Miles Morales, c'était dans un cristal basique. Voilà, donc ça m'aurait fait trois cristaux 5 étoiles en plus. Sauf que, bah voilà, j'avais pas résisté à la tentation, je les ai ouverts. Sachant que le feature, c'était le gratuit qu'on avait reçu grâce à la side quest, là, les vêtements solo. Donc voilà, donc on va ouvrir un peu tout ça. Voilà, donc j'ai 3, 5, j'ai 7, 5 étoiles. Voilà, quelques petits 4 étoiles, et puis 2 6 étoiles, et puis quelques petits gourmets, voilà. Donc vraiment un opening un peu sympa. Est-ce que j'ai besoin de cristaux double science mystique 4 étoiles? Est-ce que j'ai du science à monter? J'ai femme invisible à monter. Et en mystique, j'ai pas de choses à monter. Donc on va prendre 2 4 étoiles. Sachant qu'à côté, j'ai d'autres cristaux. Hein. À côté des jeux de cristaux, j'ai pas juste ça. Hein. Donc le deuxième, on le fera popper. Hein. Donc j'aurais bien voulu le faire le jour de mon anniversaire, sauf que... ouais, donc du mystique. Sauf que, voilà, je ne serai pas beaucoup dispo, et ça sert à rien si si l'opening ne monte pas assez, voilà. Bon, à côté, il y a l'événement cadeau, sauf que, bon, j'ai ça Sasquatch. Parfait, il ne veut pas me donner de science. C'est abusé quand même. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que ouais, ça sert à rien si je laisse tout ça, voilà, si ça augmente pas. Donc je préfère mieux tout ouvrir. Je sais pas si je prendrais des... Vas-y. Donnez-moi du mystique, ça me dérange pas. Bon, ce que j'allais dire, c'est que ouais, ça sert à rien si je laisse tout ça, sans que ça augmente vraiment assez. Voilà, donc j'ai décidé de tout ouvrir bah, maintenant. Bon là c'est le dernier cristal, s'il me donne du mystique, bah écoutez, ce sera du mystique. Au moins. Donc il monte à 60. Donc j'espère avoir au moins une petite chance, voilà, un petit champion, un nouveau, pourquoi pas Aegon, pourquoi pas un bon tech, Guillotine 2099, Warlock, voilà, je demande même pas Ghost, ou War, je demande même pas Ghost, j'allais dire Warlock, mais j'ai demandé Warlock, mais voilà, je demande même pas Ghost, hein, c'est pour vous dire. Allez, on ouvre les trois derniers. Ok, j'ai bug pendant un moment parce que je me suis dit, c'est pas un cristal double science et que double science et mystique. Comment ça, j'ai eu ce champion? Mais en fait, non, c'est des basiques. Qu'est-ce que j'allais dire là? Ok, on m'a mentionné sur Line, Salomon.
Je sais pas s'il verra cette vidéo. J'irai voir après. On a 20 cristaux, 2 pierres 6 étoiles. Ok. Bon. Je m'en fous un peu parce que j'ai pas de 6 étoiles éveillées, hein. J'ai pas de 6 étoiles éveillées, pierre 4 étoiles, on s'en fout. Ça, on s'en fout aussi, des cristaux comme ça. Je crois que j'avais des cristaux légendaires. On va voir les cristaux. Donc ça, c'est pour les openings mensuels. Je lis si c'est long, hein, mon appareil, il faiblit de jour en jour. On a des cristaux de T5, c'est vrai. Bon, j'avais pas ouvert ça. C'est bizarre. Allez, du mystique, du cosmique, on veut du cosmique. Yes, 1800 cosmiques au moins. Au moins, donc on est à 22 950. Donc on est à plus de la moitié. Donc là, il manque bah ouais, un peu plus de 50, un peu moins que 50%, pardon. Ok. Ils sont où les cristaux? Voilà. Bon là, c'est du 10%. J'espère vraiment du cosmique. Bon, je sais qu'ils vont pas donner de cosmique, mais voilà, on peut toujours espérer. On ouvre ça. Ah yes, au moins 27 000, donc ça c'est très très bien. On est à un peu plus de la moitié encore une fois. Au moins ils m'ont donné du cosmique, je suis très content. On a des cristaux légendaires si je me souviens bien. Hein. Cristaux ultimes, cristaux légendaires, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Oh, j'ai beaucoup de cristaux en vrai. Hein. Beaucoup beaucoup de cristaux. Pourquoi pas un 5 étoiles, hein? Pourquoi pas? On appuie direct. Bon, s'il me donne des 4 étoiles, je m'en fous. Mais voilà, un petit 5 étoiles, ça ferait kiffer. Ça aurait fait kiffer le petit Drax à côté. Bishop. Faut qu'ils arrêtent ces offres-là. Ça fait chier. Clairement, ça fait chier. Je suis désolé pour mon mot. Mais voilà, ça fait chier quand ils posent des offres comme ça. Oméga des 4 étoiles. Donc ça fait full mutant. Est-ce que j'ai du mutant à monter? Non. Bon, ça me fait 10 000 éclats. Ok. Oula, je vais changer pour ne pas me mettre sur le chat global. Voilà. On a quoi d'autre comme cristal? Comme cristaux? Pierre 5 étoiles, ça je vais l'ouvrir après. Cristaux d'éclat. Il serait temps d'ajouter des cristaux d'éclat, mais de chevalier là, c'est des cristaux d'éclat incollectables. Bon, problème de connexion, ok non. Dans ces cristaux-là, il n'y a pas des classes 5 étoiles? Je sais pas. C'est bizarre. D'habitude, j'en ai toujours. Pierre 5 étoiles. Ah oui, c'est vrai. Donc ça c'était avec la side quest de Mephisto, etc. Voilà. Bon, ça fait des éclats 4, ça fait du T5C, du T4C mystique, pardon, waouh. Et puis voilà, des éclats 3 étoiles, du T4B de l'or. C'est de la merde, mais bon, c'était bon à prendre, voilà. C'était avec les restes des clés qui. C'est avec les clés qui restaient. Voilà, vous pouviez obtenir ces cristaux-là. Donc j'en avais acheté. On n'a pas de cristaux, ok, cristaux 4 étoiles, cristaux ultimes, on va voir les cristaux 4 étoiles. Du mystique et du tech. À côté de ça, on a les cristaux de compétences max, donc Darko qui était compétences max. Faudrait que je monte un peu mes compétences en 4 étoiles parce que je les fais que aux utilisations d'objets, sauf que bah, je le fais pas à fond en vrai. Cristaux du grand maître. Donc là on en a 6. Si j'ai bien vu. Voilà, on en a 6. Un petit 4 étoiles. Je ne demande même pas de 5 étoiles parce que c'est presque impossible. Ah, un cristal, comment ça s'appelle? Un cristal ultime, enfin pas ultime, Nexus 4 étoiles. Bon, on va aller l'ouvrir, hein. Puis après ça, on va passer, bah,
au cristaux, là, au cristaux spéciaux, tout à côté. Donc, avec les cristaux de connexion et tout. Cristaux de compétence max. Les éclats 5. Et le cristal Nexus 4 étoiles. Toujours en bas les cristaux qu'on veut, hein, toujours en bas. On va prendre le science. On s'en fout du tech, j'en ai déjà beaucoup. En plus de ça, on avait éveillé Darkhawk, etc. Voilà. Compétence max aussi. Donc ça, c'est un de mes 4R5, donc c'est normal qu'il soit compétence max. On va passer aux cristaux spéciaux. Donc ça, j'ai remarqué de la part d'un abonné que ça allait bientôt changer pour dans 16 jours. Donc je me demande vraiment si ça va être quoi, parce que dans 16 jours, bah, c'est l'anniversaire de Kaba, mais c'est vraiment très bizarre. Voilà, bon, je vais pas spéculer sur ça, parce que voilà, on sait pas ce que c'est, mais voilà, je trouve ça très intéressant qu'ils aient mis ça. Voilà, cristal de connexion, donc celui-là, je pense que c'est... ok, non, c'est Squirrel Girl, j'allais dire, je pense que c'est Silver Surfer, mais non. Donc Squirrel... j'ai créé la 5 étoiles. Bon, le 4 étoiles, ça fait du Virtuose. Donc, si on ouvre un nouveau Virtuose, bah, je serai très content. Parce que j'ai de l'ISO. On va ouvrir ces cristaux-là. Donc, on va ça. Je sais pas combien on en a. Il y en a 200 000. Ça sort que c'est 10 000. Voilà, je pense qu'on en a plus de 20. Ça change l'année de base. Ouais, plus de 20. C'était sûr, en fait. C'est tout? C'est 40? Est-ce que c'est 40? Oh, c'en est plus. Donc 44. On ouvre ça. Donc n'hésitez pas à avancer, hein, si vous voulez voir juste les 5 étoiles ou quoi. Ça, j'aime des 4 étoiles. J'aime des bases 4 étoiles avec des boosts. Pierre 5 étoiles, pierre 4 étoiles, encore des boosts d'arène. Ouais, encore une fois, des boosts bah, basiques. Enfin, des boosts qu'on utilise sur les quêtes. Oh, j'en ai 11, ça va bien expirer, je pense. C'est mauvais, ça. Très très mauvais. Donc pierre 5 étoiles, plus 5. Et où la gemme basique, ok, elle est là. Et plus 4. Voilà. Donc là, on va passer au bah, main... Main event, on va passer aux 5 étoiles. Donc, juste avant, on va ouvrir le petit 4 étoiles. On va pas ouvrir les SCH et tout, parce que là, ça va être vraiment long. Du Virtuose, ok. Donc, j'attends de me faire troller, hein, parce que franchement, Kabam, en ce moment, je me fais vraiment, franchement, troller. L'autre fois, j'avais ouvert un cristal chevalier. Un 3 étoiles, sans que j'en ai vu un, il a eu un cristal Nexus 6 étoiles, etc. Voilà, enfin. Puis aussi, j'avais acheté. Oula! Ah oui, c'est le jour Science Mystique. Bon, écoutez, on va voir un Science Mystique, hein. On sait jamais. On peut avoir un God Tier. Donc, c'est parti pour les 5 étoiles. Donc, bon Mystique, bon Science, je prends un. Hein. Éveil de femme invisible, je prends. Je prends. À ce qui paraît, elle est moins bonne avec son éveil, sauf que bah moi j'avais up juste pour l'avoir avec les 4 fantastiques, donc je vais pas vraiment la jouer. Donc ça fait des éclats 6, c'est très très bien, ça fait de l'isoscience. Donc on va passer au mutant virtuose. Donc, ce serait bien d'avoir Egon, franchement, Kabam, ça fait franchement longtemps que j'attends Egon. Bah, sinon, un bon mutant. Hein. Sinon, un Virtuose, pourquoi pas Stealth Spidey, Éveil des Squirrels, ça serait très très bien. Voilà, Black Widow, Deadly Origin, etc. Voilà, vraiment des bons Virtuoses. Sinon, donnez-moi un bon mutant. Hein. C'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Agent Venom qui passe à 40, je crois. Ah, il passe à 60, t'as abusé. Franchement, dans ces cristaux-là, j'ai que de la merde. C'est abusé. C'est franchement très abusé. On va voir quoi. Au moins. J'aurais voulu avoir Omega Red parce que j'avais une gemme mutante juste pour lui et que j'adore Omega Red, mais bon, tant le mal de pyramidique, c'est parfait. Et dernier cristal, on prie encore pour Egon. On prie encore pour Egon. Et on va choper
Ok. Parfait. On n'a pas eu Egon. Bon. Ça fait Okai qui est moyen, Agent Venom qui est nul et Tornade Pyramidix qui est assez bonne. Et quand je dis bonne, c'est dans le bon sens du terme, parce que voilà, j'en connais des coquins hein, qui vont dire ouais, t'as dit elle est bonne, etc. Voilà, bon. Les cristaux double cosmique et tech. Donc ça, ce serait bien d'avoir des bons techs, hein. Guardian, Guillotine 2099, etc. Je demande même pas. Je demande même pas. Je demande même pas. Je demande même pas Ghost. Hein. Pour vous dire, je ne demande pas haut. Hein. Je ne demande pas du très très lourd. Premier cristal. Yes! Yes! Enfin! Enfin! Ça allait sec R5 directement. Enfin! Enfin, yes! On commence bien l'opening. Enfin, on continue bien l'opening. Je veux dire, les premiers cristaux, on n'a pas eu Aegon, ça fâche un peu, mais bon, c'est pas grave. Deuxième cristal. Yes, ça fait plaisir, Guardian. Je l'avais pas, je prends. Je l'avais pas. Si ce serait Crâne Rouge, j'aurais ragé. Mais là, c'est Nova. C'est pas mauvais, je prends. Et je l'avais pas. Pour l'instant, ça va bien. Pour l'instant, ça va bien. Je suis très content d'avoir eu Guardian parce que aussi c'est un Canadien, hein, je suis Canadien. Donc voilà. Ça crée des liens. Troisième cristal, double tech cosmique. Écoutez, écoutez, si on peut l'éveiller. Si on peut l'éveiller. Putain, c'est abusé. Oh putain, c'est abusé. Oh non, non, non. J'ai même pas besoin de mettre de gemmes dessus. J'ai même pas besoin de mettre de gemmes dessus. Ah là là. Ok. Ok. Dernier cristal. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Ah ouais, c'est abusé, on l'éveille. Ah ouais. Dernier cristal. Ah, il y avait Ghost à côté, j'ai cru. Il passe à 20, donc c'est un éveil. Deux Ultron. C'est un éveil. Ah, il y avait Ghost à côté, mais bon. Guardian, éveil de Guardian, c'est très très lourd. Nova que j'avais pas. Voilà, bon, sinon, Ultron, ça va me donner deux Lizzo pour éveiller Guardian. Donc, ça, c'est très très lourd d'avoir eu Guardian et de l'éveiller après, pardon. J'allais dire énervé, mais bon, je vais pas énerver un personnage de jeu vidéo. Et les cristaux 6 étoiles. Donc, on a deux 6 étoiles. Bientôt un cinquième, bientôt un troisième, enfin le mois prochain si j'arrive à choper les éclats si c'est nécessaire. Donc on va voir le premier cristal, j'espère vraiment avoir du lourd. Voilà. Parce que franchement, les 6 étoiles c'est le futur. Mais voilà. J'aimerais bien monter du 6R2. Éveil de Killmonger, ce serait énorme. Voilà, sinon donnez-moi un nouveau. Hein. Un bon nouveau. Bah yes! Bah yes! Bah yes! Yes, yes, yes! Sentinelle, enfin! Enfin, ça me fait beaucoup de tech là! Ça me fait beaucoup de tech! Ça va aller directement 6R2. En plus de ça, j'ai Guardian à monter. Ah ouais! Ça c'est lourd, ça c'est lourd. Bon, je vais monter Guardian en premier, mais bon, Sentinelle va passer 6R2, ça c'est sûr. Enfin, je vais pouvoir enfin faire la Varante 2, la Varante 3 à 100%. Prochain cristal. Ah, il y avait Ghost à côté. Il y a toujours Ghost à côté à chaque fois. Sentry qui est nul. Qui est nul. En espérant qu'il le rework un jour. Parce que je rappelle que ils ont une nouvelle cadence de rework. C'est qu'à chaque 3 mois, ils font un gros. Ils font 4 gros reworks. Donc voilà. En espérant qu'il fasse partie de ces gros reworks-là. Sinon, à côté de ça, on a eu Sentinelle qui est assez lourd. On a eu l'éveil de Guardian qui passe à 40. J'ai mis quelques pierres tech sur certains champions tech que j'avais, mais bon, si je les avais gardés, j'aurais pu le monter à haute compétence. Mais bon, Guardian, il est où? Bon, on a déjà eu Sentinelle. Guardian en 5 étoiles, il est où? Je vous dis, il va passer directement 5R5. Ah ouais, c'est beau, c'est beau. Bon, j'ai juste pouvoir le monter à 43, je pense. Ouais, voilà, 43. Ah ouais, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Donc à 43, il a quoi? On m'a dit, il mérite 100 minimum.
Résistance au saignement 38%, ouais, c'est pas ouf. Il faut avoir, ouais, je pense que c'est minimum 100 de ce qu'on m'a dit. Résistance critique, efficacité de blocage, ouais. Ah ouais, sa résistance énergétique, par contre, pas besoin de l'avoir à haute compétence. Bah, à côté de ça, écoutez, on a eu Tornade Pyramidique, c'est assez lourd, elle va passer 5R5 aussi, je pense, parce qu'elle va beaucoup, beaucoup me servir, notamment sur le Korg Mix Master. Nova qui est nouveau, ça peut se monter pour la def, ça peut très, très bien se monter pour la def. À côté de ça, en 6 étoiles, on a eu Sentinelle, je suis très, très, très content. Ça va faire un tech en 6R2. En plus de ça, eh ben, je vais avoir Guardian en 5R5. Donc ça va faire renforcer mon roster de 6 étoiles. En espérant avoir encore plus de trucs en tech. Parce que franchement, la classe tech au niveau de mon roster. Attendez, non, pas ça. Avec les 5 étoiles compris. Bah, j'ai Mysterio, j'ai Sentinelle et j'ai Guardian. Bon, c'est lourd, hein. Je J'espère que m'y cette plais vidéo vous pas. aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, rejoindre les réseaux sociaux dans la description. On va se laisser sur la petite Sentinelle 6 étoiles. Voilà, donc c'était pas la ruche. C'est à tous, bon game. Ciao.